l'ex-pirate reconnaît cette personne? Car si c'est le cas, voilà, cuisiné. T'as une image de la personne? Pas de notre dominatrice, non? Genre celle qu'elle essaie de se faire recruter. C'est moi qui comprends pas ce que tu veux, cherches à faire. En gros, la personne qui a voulu, enfin, la personne qui est l'ex-employé du Garrett qui veut juste se casser d'ici et qui est prêt à m'aider et qui était prêt à nous aider, voulait simplement est avec nous. Je l'ai recruté justement pour quelqu'un expérimenté comme lui. Ah, Le le marin. Oui, justement. Si on demande à ce marin s'il reconnaît la personne qui essaie de se faire recruter et qu'il la reconnaît bel et bien, on a peu de soupçons sur quel est son ancien emploi. C'est vrai. Ah. Je vais aller le chercher alors. Je quitte Ouais. la. Je vais retourner, je vais aller sur le navire, aller chercher le marin qui est embauché lorsqu'on s'est retrouvé à la taverne. Oui. Le second employé. Oui. D'ailleurs, ça doit peut-être. Je sais plus, il y en a un qui s'appelle Bin Laden. Et tu vas le retrouver, tu vas le ramener à bord. Je sais pas, les entretiens se font à bord du navire déjà? C'est comme vous Ou voulez. en ville? C'est comme vous le souhaitez. Pas... Après, je vous l'ai pas demandé encore. Je pense dans une taverne. Dans une taverne, oui, ça me paraît plus simple. D'accord. Sinon, ça peut être à la capitainerie aussi. Donc, écoute, je vais ramener ce marin à la taverne. Et je vais lui demander. En fait, on va faire ça. On va essayer de faire ça discrètement. C'est-à-dire que je vais rentrer dans la taverne. Donc, je sais pas comment est-ce qu'il a moyen de rentrer sans que la personne, cette femme, le voie. Est-ce qu'elle tourne le dos à l'entrée ou est-ce qu'elle risque de le voir si elle est face à l'entrée? Je pense qu'on serait mis dans un coin pour. Vous avez deux portes pour le public pour rentrer dans la taverne. Donc, vous pouvez potentiellement du coup prendre une porte qui n'est pas dans sa vue direct. D'accord, ok. Bon, on va faire ça. Donc, on va rentrer par la porte opposée. Et puis, je vais lui indiquer la table où se passe la discussion. Et je vais lui demander de voir s'il arrive à identifier cette personne. Là. Et je vais faire attention à la façon dont il répond pour voir si lui-même ne ment pas. Au cas où on a deux infiltrés. Déjà, il voit les cheveux. Tu vas me dire que je t'embête avec mes jets, mais tu peux me refaire un jet d'efficacité pour lui. Là. Ah, perspicacité. Non, tu m'embêtes pas, ça me dérange pas de faire des jets, coyons fous. Alors, perspicacité. Oula. Alors, attends. Ça dépend. Si c'est pour le mensonge, j'ai un meilleur score que ça. En fait, j'ai un minimum de 8 au dé, donc ça nous amène à 16 minimum. Encore? Quoi? Mais non, ça concerne pas le mensonge, non. D'accord, alors si c'est pour autre chose, j'ai fait 10. Il te dira oui, je l'ai déjà vu. Mais sincèrement, j'ai pas Ok, envie de rester là. on ressort. Tu veux m'expliquer où? On ressort. Oui, du coup, on ressort, Je vous t'écoute. ressortez par la porte sur le côté. Je l'ai Ouais. déjà croisé cette femme dans l'un des ports Xar.
où nous avons l'habitude de faire halte. Et cette jeune femme est louche, même l'exarque sont. Bah, je ne vais pas dire qu'ils s'en méfient, mais ils ont tendance à être belliqueux avec elle, sans pour autant, les connaissant, lui taper sur la tête. Ce qui veut dire que potentiellement cette femme leur fait peur aussi. D'accord. Et Est-ce que tu connais, est-ce que tu sais comment on l'appelle? oui, je. Je vais noter son petit nom. La vitesse de cette connexion ne rend pas fou. Bon, je le dis à l'oral et puis quand Discord se sentira concerné, je noterai. Ah bah tiens, Discord se sent concerné d'un coup. Elle s'appelle Fizalt, l'éternel. D'après ce Fidèle que l'éternel. nous ont dit les Xar. Ben, l'un des deux. Sacré surnom. Ah bah Effectivement. surtout l'éternel, hein. Et eux-mêmes le disent que c'est une femme qui est, comme vous l'aurez compris, n'hésite pas à les défier du regard, voire de son simple comportement. Et Et que sais-tu d'autre sur elle? croyez-moi que pour s'opposer du regard à Xar, il faut juste être fou. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ou être insensible. Elle a voulu monter à bord de notre bateau pour que nous l'amenions jusqu'ici. Naëlas, elle avait bien défini ça, disant qu'elle aimerait visiter cette ville prodigieuse entre les mains des elfes et Laurent. Nous avons, suite aux discussions que nous avons eues avec les Xar, de ne pas la laisser monter sur le bateau. Nous sommes partis en finesse, sans qu'elle s'en aperçoive. Et du coup, c'est avec un grand étonnement que je la vois ici. Et aussi une grande crainte. Je ne sais pas ce qu'elle vous a demandé, Non, merci. si elle veut monter à bord ou pas, mais je serai vous, je ne la laisserai pas monter. Je pense qu'on va pas le faire. Je te remercie. Tu peux retourner au navire. Merci beaucoup. Et du coup, il retourne. Je vais re-rentrer par l'entrée, l'autre entrée. Et puis, je vais faire signe à Desnayn de rediscuter en privé. Et je t'explique effectivement que la femme est connue, qu'elle est comment dire, je lui donne le nom que le marin connaît, Pizal l'Éternel, et que c'est une femme à problème. Qu'il ne sait même pas comment elle est arrivée ici, parce qu'elle a essayé d'embarquer sur le Dugarrette, et ils sont partis sans elle, enfin ils le pensent, mais visiblement il était très surpris de la voir ici. Donc il faudrait éviter de la prendre, si possible, pour éviter, enfin, le plus diplomatiquement possible. Ok. Je vais me retourner à la table. Je vais la Oui. voir. Je vais m'installer à la table aussi.
Je vais regarder. J'ai peut-être une ou deux questions encore pour avoir une vraie réponse. Vous dites que vous êtes allé au nord. Pourquoi vous penserez que nous allons au nord? On peut partir vers le sud, hein, même si c'est plus compliqué. On pourrait clairement partir au sud et passer à côté des démons. Vous n'avez pas le visage de quelqu'un qui vient du sud ou de l'est ou qui vient d'ici. Vous semblez avoir été missionné il n'y a pas longtemps. Et je considère que, enfin je considère, je comprends par cela que on vous a donné une mission. Vous envoyant sur l'ami le plus incertain qui soit en Matej, c'est-à-dire à Larian. Soit vous, c'est vrai, vous pourriez très bien aller dans le sud d'Alarian. Mais je sais pas. Je me dis que vous êtes prêt à partir vers le nord. Mon instinct me le dit. Je la regarde en blanc dessus. Ça va être compliqué en étant à sang-froid. Passons. C'était quoi ces derniers emplois qu'il nous a donnés? Elle nous a donné un nom ou Oui, c'est vrai, c'est la question à laquelle je n'avais pas répondu, effectivement. Elle t'a dit qu'elle a Oui, Baraka, c'est un peu. été aux soins de nobles, qu'elle aura elle a été à leur service pour leur faire leurs courses. Être là en cas de petits problèmes à régler, d'aller chercher des gens, régler le compte de certaines personnes. Quel genre de noble avez-vous travaillé? De ce que je Est-ce comprends, c'est pas énorme. qu'elle ment? Oui, au passage. Alors, elle va Pas mentir. sûr qu'elle ment. Alors, elle va mentir sur la prochaine chose qu'elle va dire. C'est bien, je te le dis à l'avance. Mais Baracas va le savoir aussi. Parce que du coup, évidemment, tu vas le savoir. Mais des nobles du coin. Et un peu, mais enfin, je vais pas tiquer, je vais rester en poker face au cas où qu'elle veuille me chercher à savoir. Hein. Et je vais. Utilise Vas-y, Baracas. j'amplifie ma voix. Ouais. Merde, police. Arrêtez de dire des noms que vous ne connaissez pas. Et dites-nous la véritable raison de votre volonté de monter sur le bateau. Et je dis ça en amplifiant la voix, en essayant de l'intimider. Tout le Est-ce bar que qui je se peux le faire? retourne. Est-ce que je peux le faire avec avantage ou pas? Oui. Le jet d'intimidation. Bah, surtout si tu déclares que tu es une autorité, là c'est mort. Hein. Oh là, oh. Très bien, très bien. Je m'excuse de vous mener en bateau. Enfin, quelque peu. Je suis une fille qui vient, qui a vécu dans les terres glacées pendant tous les premiers temps de mon existence. Et voyez-vous, je c'est pas facile de venir vous en parler ici, puisque on sait qu'en Matej,
Dès qu'on parle de ce genre de choses, nous sommes considérés comme des étrangers. Mais croyez-le bien, mes intentions à votre pour être à votre service et des plus cordiales. Vous êtes seulement qu'un moyen de transport pour me permettre de retourner de là où je viens. Et là, elle dit la vérité. Vous voulez être recruté en tant que marin. Vous voulez juste être passager. Exactement. Mais comme je veux allier l'utile à Oh. l'agréable, je souhaite servir à votre bord sans pour autant en profiter de trop. Participer aux tâches quotidiennes. On est d'accord qu'avec ma perspicacité, elle ment sur cette dernière partie en mode oh, je veux pas trop en profiter. Hein. Clairement profiter. Ah. C'est une grognasse. Si tu prends effectivement ta perspicacité dans ce sens-là, oui, elle ment. Ouais. Mais Je si, pense bah, qu'on mais pourrait alors, là, c'est subtil. terminer cette... Pardon. Je dis, ce que Ah. vous avez détecté, c'était quand même assez subtil, hein, parce que là, c'est vraiment parce que Clisnat a orienté sa réflexion là-dessus, mais c'était assez subtil. Donc, ouais. Soupirer. Renal voulait dire quelque Le chose. problème, madame, je pense que c'est que le ne répondez pas aux critères des personnes que nous recherchons. Donc, nous sommes au regret de devoir... Je lève la main. Capitaine? J'ai quand même encore quelques questions. Parce qu'elle n'a pas répondu dans ce cas à ma question précédente. Il disait qu'elle travaillait pour des nobles. Ça lui posait pas de problème de mentir ici. Ce qui veut dire que concrètement, si elle devait dire des noms de nobles, ici tout de suite, ça la gêne. Pourquoi ça vous gêne tant que ça de parler de ces nobles-là? Ils ont des problèmes avec les effets Laurent? Elle te répond pas. Elle te répond pas du tout. Je crois que votre ami semble vouloir dire que je suis devenu indésirable à votre bord. Est-ce que je peux m'en aller, s'il vous plaît? Vu que vous étiez en train de mentir comme une arracheuse de dents, oui. Vous pouvez. Avant de Et partir, j'attends qu'elle parte et on... avant qu'elle parte, elle vous dira, vous savez, des fois, vaut mieux éviter de ne pas être trop curieux. Ça peut vous sauver la vie. Je dis ça juste parce que je l'ai vécu. Mais sur ce, bonne journée à vous. Et elle s'en va. Ouais, menace dissimulée. Bonne journée. Bonne journée. Je regarde Baraka, je fais. Passe par l'autre porte. Eh bien, les autorités. Une étrangère. Pardonnez-moi pour mon jet. Je m'en occupe. Je vais la signaler à mes supérieurs pour qu'ils jettent une surveillance. En tout cas, je les mets Ouais. en garde sur elle. Surtout que, vu ce que j'ai dit, il précise l'heure, quand même, ma réflexion. Possiblement que ça allait titiller. Pardonnez-moi, capitaine, de mon élan de sauvagerie tout à l'heure. Il est possible que quand Ça s'appelle un réflexe de métier. vous sortiez, vous entendiez quelqu'un qui visiblement tape contre une planche et la casse. Vous l'entendez. Il tape contre une planche de quoi? Quelqu'un qui a visiblement a tapé contre Est-ce qu'on une planche peut et qui l'a cassée.
Oh bah c'est elle. Elle est juste de très mauvais poil. On lui a envoyé chier mais C'est faire pérer. Non, mais elle pouvait pas avoir servi de noble puisqu'elle elle était encore dans le du Garrett. Le bateau est parti, est passé par Xar pour venir ici. Ils l'ont refusé à son bord. Donc elle était à Xar il y a quelques semaines. Oui, Quelques mais jours. j'avais pas l'impression, j'avais, alors dis-moi MJ si je me trompe, mais j'avais pas forcément l'impression qu'elle mentait sur le fait qu'elle travaillait pour des nobles, mais plus qu'elle travaillait des Mais faux, pas tu vois. ici. Mais pas Même, ici. enfin, S'il a qu'elle travaillé travaillait pour pour des des nobles, nobles. c'est pas ici. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que, c'est pour moi le cheminement, pour c'est simple, elle travaille pour des nobles, elle ne veut pas les donner. Parce que c'est quand même quelque chose de prestigieux en général de travailler pour des nobles. Elle ne veut pas donner leur nom et elle ment en disant qu'elle a travaillé pour des nobles ici. Ça veut dire que, potentiellement, elle essaie de nous rouler dans la farine, soit parce que les nobles ont un problème avec les affaires Laurent, soit que c'est que, d'une façon ou d'une autre, ça devait la desservir. Possible. Je vais faire un saut à la capitainerie. Alors, n'oublie pas de lui mettre un bracelet, hein. Je vais voir, ils vont s'en charger. Je vais faire un saut à la capitainerie, puis je vais signaler la personne comme source potentielle de soucis. Bon, qu'elle cherche à repartir, ça c'est une bonne chose, mais en tout cas, elle risque de faire d'être des problèmes. Donc, donnez-la à l'œil. Et puis, elle n'a pas effectivement de bracelet, mais je pense que comme elle veut repartir, c'est peut-être pas la peine. À vous de juger. Au moins, je m'en fous, je la recrute pas et je m'en fous. Ils te disent que c'est très étonnant. Ce n'est pas la première fois qu'on a le signalement de cette jeune femme aux cheveux verts. Nous n'avons absolument pas prêté attention à ce genre de signalement puisque on ne voit pas vraiment quel est le problème avec elle, hormis le fait qu'elle ait des cheveux verts jusque-là. Mais maintenant que vous le dites et en point de vue de ce que vous me rapportez, il semblerait que nous avons un problème avec une personne qui transite entre ici et ailleurs sans que nous le sachions, sans que nos espions soient au courant. Donc, nous avons un problème. Elle est possible, alors, soit elle est venue, en tout cas, les signalements la concernant datent de quand? Les premiers signalements? Les premiers signalements datent, oh, c'est difficile à dire, ça fait tellement longtemps maintenant, ça fait quelques années maintenant, je dirais à bout de nez, peut-être 3 ou 4 ans. Et nous avons eu, D'accord, donc c'est pas la première fois qu'elle vient ici. pour tout vous dire, je dirais que au niveau du nombre de signalements, on en a peut-être eu 3 ou 4 qui nous ont dit une jeune femme un petit peu violente. Ou jeune femme qui a abusé d'un homme est venue et elle a des cheveux verts. On est sûr qu'elle n'est pas d'ici. Mais du coup, vu le genre de signalement, ça nous a pas non plus alerté. Enfin, c'était jusque-là pas d'une très très grande gravité. Ouais, y a pas rien de pertinent, on va dire, pour faire une enquête ou l'arrêter. Bon, en tout cas, elle est présente actuellement sur le port et elle veut repartir. Nous allons